Et nous pourrons commencer avec grand titre. Haïti, membre Fédération nationale magistrat, prend une résolution dans Port-au-Prince, jeudi mercredi 18 juillet 2018, là, pour le président Jovenel Moïse, opinion sous choix prochain premier ministre. Là. Haïti toujours ensemble, organisation opposition. Hein? Mandé démission président Jovenel Moïse dans une conférence pour la presse, yo bay jeudi mercredi dans la capitale là. Et puis, site Washington, un citoyen pays la Russie, qui était tombé en bas de la police dans le week-end passé, sous accusation de ce que l'ITEP travaille comme un agent secret étranger, semblait avoir gagné un bon genre rapport avec le service secret reçu vraiment, d'après un commissaire gouvernement, ici à Washington. Tant que nous faisons ça, chaque jour depuis comme on se maintenant, nous pourrons gagner un programme dans tout à l'heure. Contact nous pourrons prendre avec envoyé spécial nous en Haïti, Jacqueline Bélizère, qui pourra jeter un coup d'œil pour nous sous principal point d'actualité à non Port-au-Prince surtout, qui c'est capitale pays d'Haïti. Mais avant, nous pourrons dire que président chambre députée à Gary Baudot, avec président Sénat, Joseph Lambert, rencontré avec président Jovenel Moïse, hier mardi 17 juillet, pour quelques discussions sous situation pays, avec profil prochain premier ministre. Député Gary Baudot, baille la voix de l'Amérique, yon interview, côté les bail détails sous discussion, yo. Il promet un gouvernement inclusif, donc, faut que le président capable de parler avec des gens qui ne sont pas forcément dans le camp politique, des gens qui ont des visions et complètement et différentes de lui, même si nous connaissons des faits de campagne. Le plateau a voté des promesses de campagne, il faut le mettre en œuvre. Mais et à situation exceptionnelle, il faut qu'il y ait des mesures exceptionnelles. Donc, c'est dans ce sens-là, hier, nous avons chita parlé. On définit d'abord les termes de référence, on définit d'abord la mission. Et du nouveau premier ministre, pas oublier au-delà du profil que moi-même, ce que je pense, moi, c'est mon qui et premier ministre, il faut que ce soit un monde qui est très proactif, excusez-moi, il faut que ce soit un monde qui est techniquement solide, il faut que ce soit un monde qui a un sens de leadership, à même de conduire les réformes économiques, la réforme de l'État, réduire le train de vie de l'État. Donc, il faut que son monde, quand même, qui a une certaine expérience de la gestion de la chose publique, et il faut que son monde, qui a un tempérament abordable, capable de travailler avec le président pour pas qu'il y ait un conflit au plus haut sommet de l'État. Et il faut que son monde qui part et forcément sorti dans la politique président ou bien sorti dans le Parlement. Donc, nous pensons que ce premier ministre doit sortir de la société civile pour que les secteurs de la vie nationale puissent et se reconnaître en son leadership. Pas oublier et débattre de sortir tout dans aucun parti politique. Quels sont les enjeux cette année? C'est pratiquement jeter les bases sur la tenue et les élections en 2019 pour renouveler et le Sénat pour capable renouveler chambre des députés à la collectivité. Donc au moment où nous parlons, c'est cet effort-là. Cet exercice est assez complexe que le président est en train de faire au palais avec ses différentes rencontres avec okay. Tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Voilà, c'était président chambre député haïtien Gary Baudot qui t'a répondu aux questions. Ronald César, après en Haïti pour nous, président Jovenel Moïse. A peur à poursuivre avec série consultation lio dans Kachoua, un nouveau premier ministre, dans le moment côté Fédération nationale magistrat yo, publier une résolution jodi a pour yo bay disons yo bay opinion yo sous choix prochain chef gouvernement. Nous parlons en détail avec magistrat Jude Edouard. 10 comités, 10 associations mandataires yo réunis jodi à la Mayotte. Pour prendre un ensemble de résolutions et mes privilèges pour nous passer la parole à le secrétaire général Fénaman, c'est la mairesse de la Côte du Nord, magistrat Zikri Mikaline de Sermon, que nous avons demandé pour la lecture de résolution assemblée extraordinaire des maires à travers les 10 comités, les 10 associations départementales de maires de la République. Merci. Assemblée extraordinaire de la FENAM et des membres du conseil exécutif des associations départementales de maires, résolution de Mayotte, 18 juillet 2018. La Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM,
et les membres des conseils exécutifs des associations départementales de maires se sont réunis en assemblée extraordinaire pour se prononcer sur la conjoncture et produire des recommandations pour le redressement de la BAC nationale. La FENAM constate que le gouvernement démissionnaire est le seul et unique responsable du déchaînement de la violence suite à sa décision d'augmenter le prix des produits pétroliers. La FENAM déplore les pertes matérielles et en vie humaine survenues dans la région métropolitaine les 6, 7 et 8 juillet derniers. La FENAM salue la décision du président de la République d'instruire le gouvernement de revenir sur la décision scélérate qui a provoqué tant de dommages dans la zone métropolitaine. La FENAM prend acte de la démission du gouvernement Lafontaine et des consultations en cours pour le choix d'un prochain Premier ministre et de la constitution d'un nouveau gouvernement. La FENAM exige sa participation dans la définition du profil du prochain Premier ministre qui devra absolument avoir une forte sensibilité pour la décentralisation et les collectivités territoriales. La FENAM s'attend à ce que les collectivités territoriales aient une plus grande place dans la déclaration de politique générale du prochain Premier ministre avec un engagement pour l'organisation des élections indirectes. La FENAM souhaite que le prochain gouvernement améliore de manière significative la qualité des rapports du gouvernement avec les collectivités territoriales. La FENAM exige que le prochain gouvernement fasse des collectivités territoriales l'axe central du développement du pays. Elle préconise l'amélioration des procédures visant à l'exécution des projets communaux inséré dans le budget 2017-2018. La FENAM souhaite l'arrêt immédiat de la confusion du rôle entre les parlementaires et les collectivités territoriales. Elle exige l'implication des élus locaux, maires, CASEC, AZEC et délégués de ville dans la mise en œuvre de toute action de développement sur le territoire communal. La FENAM exige l'intégration des collectivités territoriales dans le budget national, la programmation des dépenses y relatives et l'implication des élus locaux dans la gestion du FGDCT. C'était Mme Fédération Nationale Magistrat dans le pays d'Haïti qui tabay opinion yo sous choix prochain chef gouvernement haïtien. N'a prêté dans Port-au-Prince pour nous dire économiste yo bay 10 ans yo tout sous conséquences crise politique la capable gagner sous économie haïtienne. Pour économiste Edzer Emile, santé économie dépend obligatoirement de stabilité politique ou bien absence de stabilité politique dans le pays d'Haïti. Études que nous faisons, recherches que nous faisons pendant les dernières années en Haïti, nous avons dit 30 dernières années, si il y a un bagage qui fait beaucoup plus de mal à l'activité économique, c'est l'instabilité politique. Lors d'un système démocratique, quand on a presque une vingtaine de premiers ministres qui passent juste en période de 30 ans, on a presque chaque un an et demi au monde qui l'a, une quantité de ministres qui a changé tout le temps, et au bon quantité de violence qu'a fait, au quantité de pillage, au quantité d'arababdi, au quantité de bail qu'a fait dans le pays à tout le temps. Même si c'est pour ta bonne cause, parce que des fois, on peut comprendre qu'il y a des gens qui sont frustrés, que le pays n'a pas offert, il n'y a pas d'emploi, il y a une inégalité, une exclusion sociale, qui est capable d'expliquer le type d'agissement. Ça, ça se fait là, 6-7 juillet, là, après la route dans l'autre gouvernement, mais au bon système politique qui en lui-même inefficace, j'ai que le construire. Ça veut dire qu'au bras de l'autre monde là, qui est en primature avec de l'autre ministre, il parle de pour autant que le pays a pris sous rail développement. Donc c'est ça la question. Donc, maintenant, l'on regarde l'impact que ça va faire à court terme sur quantité d'emploi qui est perdu, sur quantité de destruction de biens matériels qui est faite, mais aussi à long terme. Parce que ça qui veut dire là, c'est qui j'en connais un monde qui est entrepreneur, que ce soit haïtien ou étranger, pour être capable d'intéresser à évoluer dans un pays comme ça, côté que il y a tellement de possibilités pour que qu'on bagaille mal qui passe là-dedans. Parce que ça que fait là avant hier là, il y a beaucoup plus de chances pour le faire plus misère, il y a beaucoup plus de chances pour le faire plus inflation
que j'en ai déjà. Et moi, je crois qu'il faut que nous assurions que ça nous fait, il faut être capable de renverser un mode de fonctionnement, un système l'État qui est inefficace, qui est incompétent et qui n'est pas performant pour le bailler l'autre forme l'État. Et c'est comme ça qu'on combat à l'orienter. Sinon, nous avons été écrasés, nous brisés comme nous faisons de 86 à nos jours, presque une dizaine de fois déjà, mais sans pas vraiment arriver. Bon bail qui change pour la population. Voilà, c'était économiste Edzer Emil qui tabay opinion sur conséquences crise politique là en Haïti sous économie pays. N'a prêté en Haïti pour nous dire dans quatre séries reportage envoyé spécial nous dans Port-au-Prince Jacques Belizère. A fait sous crise politique là l'a partagé avec nous opinion de jeunes après démission Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Et est-ce qu'on a dit nous qui j'en relo sous la voie de l'Amérique? Bon, ok, moi c'est DOZRB, moi c'est un jeune. Bon, ces dernières semaines, moi suis l'actualité dans le pays. Donc, le pays n'a pas marché vraiment trop bien. Parce que, l'on a suivi que le président Jovenel décide de monter Gaza. Monter Gaza n'a pas un problème parce qu'il faut que le pays a dépend de tout ça pour l'avancer. Mais qu'on y a, monter Gaza là, il vient poser problème par rapport à qui ça peuple a gagné comme moyen pour l'avancer. Qu'on y a là, l'on monte en gaz comme c'est sur un peuple. Pendant que il n'y a pas de travail dans la vie chère, nous dans grand goût. So, je pense que c'est normal pour révolter. Donc, ça me parle maintenant en révolte qu'on fait, c'est que il y a des gens qui profitent pour faire des autres, like, il y a des gens qui pillent des marquettes pendant ce temps, mais pendant que nous avons toujours fait une révolution pacifique, comme ce n'est qu'à jour, c'est gaz qui est monté, c'est là où. Si c'est circulation, si c'est gaz qui est monté, je pense que c'est circulation pour nous bloquer. Donc, si nous bloquons la circulation, je ne crois pas que. Par exemple, si celle-là, là, je ne sais pas si celle-là est obligée de fermer pour celle-là. Là, je ne sais pas si celle-là est fermée à cause de vitre, pas cassé, plusieurs maquettes fermées. Je ne sais pas si on est obligé de piller, on est quatre choses. Décider de bloquer l'arrière, nous finir. Eh bien, ok, la voix de l'Amérique, je vous remercie. D'accord, donc, son jeune, ok, son jeune qui ne saute pas avec nous, il y a un autre ami qui ne voulait pas parler avec nous encore, lui-même, les moins jeune. Eh bien, venez nous, dis-nous non. Et, ou la situation au pays, dis-nous non, soit pensez vous-même. Bon, le problème qui vient de gagner en Haïti, nous-mêmes, parce que nous presque pas de problème Premier ministre. Le pays n'a pas de problème Premier ministre. Il y a un problème d'être ensemble. Pour tout le monde capable de rassembler ensemble autour de table, pour tout le monde capable résoudre le problème du pays. Parce que l'on a regardé, nous se posons une question de Chili, de CC, parce que grand pile jeune là actuellement là, qui a quitté le pays, ça, qui va aller au Chili, qui va aller. Dans l'autre pays, il y a des milliers, alors que la caille, c'est la caille. Il y a des carrettes là, mais à cause du gouvernement ça que nous gagnons, il n'y a pas aucun fruit pour nous, alors qu'il a dit que l'a aidé nous dans toutes circonstances. D'après que, il a dit que faut travailler pour capable gagner pain le pain. Mais avec le gouvernement, ça, il n'y a pas bon accès même pour travailler. Nous-mêmes, nous sommes sur place, la Voix de l'Amérique, pour une série de reportages pour nous porter Baou. Ça qui a passé dans le pays d'Haïti, surtout côté de nous dans la capitale, là, mais nous avons pu aller dans la province tout pour nous qui ont saillé. Jacqueline Belizère, la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Jacqueline, Apérété Port-au-Prince. Justement, pour nous dire ensemble, organisation politique opposition, bail une conférence pour l'après jeudi dans la capitale, là, côté au mandat d'émission, président Jovenel Moïse. Abel Loreton, c'est coordonnateur mouvement visionnaire des Salinières. Nous dit Jovenel Moïse, ou pas qu'à voir le Premier ministre aller, et puis pour arrêter, c'est de pas où que nous-mêmes nous demandons, et faut qu'on aille quand même, parce que c'est eux-mêmes qui permettent que le peuple sorti dans la rue, à craser, briser, c'est pas faute population, c'est faute Jovenel Moïse, et c'est Jovenel Moïse qui est responsable de tout bagage ça, parce que c'est Jovenel Moïse qui dit comment s'écraser quand le monde dans Pélérin, dans Keskov, et lui incite le peuple à la colère, qui donc le peuple réagit, qui donc c'est pas le peuple qui est responsable de tout. C'est Jovenel Moïse qui est responsable. Et c'est ça fait que nous dit c'est un homme irresponsable. Son équipe a gagné et vraiment grande vision pour le pays. C'est ça fait que je dis à nous demander de départ Jovenel Moïse. Premier ministre pour nous, nous ne même connaître, même ne reconnaître lui-même. Ça va intéresser nous. Et Jovenel Moïse va faire appel à nous-mêmes tout pour notre gouvernement. Et qui va faire entamer un dialogue avec le président Sénat et le président. Et chambre des députés, et lui, en dialogue avec d'autres partis politiques qui allient lui, ça va intéresser nous-mêmes dans l'opposition. Que nous dit déjà, ça, je vais me réserver à faire, à ne pas servir en rien
la population a toujours levé campé pour René Chabarider et Jovenel Moïse aller pour l'aller. Qui dit choisi, yon famille, yon tonton, yon cousine, yon se madame, Jovenel Moïse, tiens, mettez le premier ministre, parle. Ça va intéresser nous, Jovenel Moïse, la quitter pays quand même, dit pour aller, ouais par ouais, Jovenel Moïse parle. Et voilà, c'était quelques hommes politiques dans l'opposition qui tapent par opinion sous crise politique. Et qui, j'ai pensé, est capable de jouer une solution. Tant qu'on était de au commencement, depuis semaine, tant mais, nous gagnons un envoyé spécial dans Port-au-Prince Haïti, Jacqueline Bélizère, qui a jeté pour nous de temps en temps un coup d'œil sur l'actualité en général. Jacqueline, connexion. Allô, Jacqueline? Merci, Demarat. Nous, en plein cœur de Port-au-Prince, mais continuez là. Nous, dans Bois-Vernat, et pas Bois-Vernat, canapé vert. Ça veut dire son route qui est très passante, ou capable de machine et à droite et machine à gauche. Température vraiment élevée, en pile humidité dans Port-au-Prince, moun ap sué. En attendant, actualité politique là, lui-même tout, même jour, température aérienne, eh bien, c'est comme ça, tout. Par exemple, où sont tant de positions, quelques groupes dans l'opposition politique là, et il y a l'autre réaction qui a sorti un peu partout dans le pays là, sous crise politique là. Et par exemple, nous avons la Fédération des maires, Fédération nationale des maires haïtiens, et FENAM lui-même qui joue, FENAM qui joue d'IA, et bien, t'es réuni. Je t'ai réuni à l'hôtel Marriott, et réunion, ça a été deux parties là-dedans. Première partie, eh bien, 10 associations. FENAM était réuni côté que il était fait débat sur ce qui a passé dans le pays. Que c'est le prix gaz là qui était monté, des blocages qui fait 6, 7 et 8 dans le pays et démission Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Et je vous dis, FENAM fait un paquet de recommandations, il voit un paquet de points dans une résolution qui c'est fruit débat qui était fait parmi tous les magistrats qui étaient réunis jeudi à dans l'hôtel Marriott. Il y aurait la résolution de Marriott pour être capable de présenter non seulement à la nation, mais présenter tout par l'exécutif. Il y a un pile point qui mérite s'y aller. Par exemple, FENAM dit qu'on a que parlementaire n'a pas le droit d'entrer trop dans l'argent, dans la source et revenu et collectivité territoriale. Au niveau du ministère, tout, grande discussion qui a été faite. Premier ministre, il faut son monde et bon, rassembleur comme d'habitude. Et puis surtout, que le monde qui prend le responsable question collectivité territoriale, il faut son bagage que vous connaissez, il faut motiver et sensibiliser avec eux. Nous avons eu l'occasion de parler avec Jude-Édouard Pierre, qui est président et FENAM, qui est Fédération nationale des maires haïtiens. Lui-même, il prend la parole. Notamment pour te présenter l'activité qui fait aujourd'hui et tout pour te annoncer pour gagner un gros rassemblement, un gros événement que la Fédération a fait. Et son, c'est un bagage qui pral fait pour la première fois. C'est la toute première de la Fédération. Et nous avons eu l'occasion présent dans le moment où tu as la presse résolution. Parce que la première partie, la presse n'a pas de droit à lire. Mais deuxième partie dans la résolution, c'est là que vous avez accueilli la presse. Nous allons vivre un moment dans la résolution ça que et FENAM proposait par la population haïtienne, il proposait par l'exécutif là, et il proposait par l'autre force vive, PIA, en suivant. D'abord, président fédération, Jude-Édouard Pierre. Bon, Jacqueline, semblait nous pas gagner et vidéo Jude-Édouard Pierre là, mais une question, est-ce que vous capez, dis-moi d'après impression, contact ou combien de temps encore président Jovenel Moïse va bien pour prendre contact pour lui faire un consensus sur nomination prochain chef gouvernement, prochain premier ministre? Et démarrat. Côté miel la gant pile boui, je ne pas tant de questions, même je imagine que je des questions, parce qu'on parlait de Jovenel Moïse. On dit que le président Jovenel Moïse, ça il continue à faire, c'est la consulter plusieurs secteurs dans la vie nationale. Que c'est ça, normalement, selon la constitution, que le droit, en parlant de par exemple, il était en réunion avec le président
et Chambre Sénat. Et Ronald César fait une interview avec Gary Baudot, qui c'est deux gros acteurs de la politique pays d'Haïti, journée aujourd'hui, ou pas qu'à parler de politique pays d'Haïti, journée aujourd'hui, sans pas parler de M. Lambert, Joseph Lambert, qui c'est président Sénat et qui joue le président de l'Assemblée nationale là. L'œil réuni en Assemblée nationale. Et Gary Baudot, qui est lui-même président Chambre députée, lui-même Gary Baudot, lui-même il fait actualité, parce que c'est Chambre députée qui a fait séance en interpellation. Et c'est Gary Baudot lui-même qui mettait fin dans la séance d'interpellation. Le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine a annoncé que l'ITBAI démissionne, bah, l'ITBAI président démissionne. Donc lui-même, il est dans le débat, parce que il y a des gens qui toujours posent des questions sur Jean débat déroulé. Juridiquement, selon les normes parlementaires. Jean commencé, Jean finit, parce que grand pile monde qui savait dans la question, qui dit que faut sortir avec yon ou bien yon vote de censure ou bien yon vote de confiance. Et ça crivait, c'est le fait que le Premier ministre a annoncé qu'il est démissionné. Eh bien, pas de vote ça. Il y a des gens qui disent sont accro aux lois parlementaires. Mais tout, il y a une autre question qu'il a posée. Qui est-ce qui est venu dans la Chambre des députés? Est-ce que c'est un Premier ministre démissionnaire? Et si c'est à ce titre, eh bien, il n'y a pas d'interpellation puisqu'il n'est plus Premier ministre. Et tout, s'il déjà bail démissionné, pour qui ça que lui-même il était venu? Donc ça veut dire que grand pile et élucubration qu'a fait, un pile analyse qu'a fait sous situation et au niveau parlement, ça a déroulé. Mais en attendant, tout Dieu braqué sous palais national, qui lui-même prend le pour proposer un nouveau Premier ministre, et chaque monde a bail un profil de Premier ministre. Que ce secteur est démocratique.